Bonjour à tous et bienvenue au campus du Lac. Aujourd'hui, on continue de parler de NetIP Areo et on va explorer une autre fonctionnalité, comment synchroniser NetIP Areo avec votre téléphone portable. Plus besoin du coup de vous connecter à chaque fois sur l'application, votre agenda va se mettre automatiquement à jour avec votre téléphone. Voici le tuto pour pouvoir paramétrer cette fonctionnalité, c'est pas très compliqué et c'est parti. Pour synchroniser votre agenda NetIP Areo avec votre téléphone portable, voici la procédure à suivre sur iOS. Vous devez d'abord vous connecter sur le site de NetIP Areo en saisissant l'URL suivante, netipareo.formation-lac.com, et vous tombez sur la page où vous devez vous identifier. Quand vous êtes connecté à votre espace NetIP Areo, vous devez basculer entre la vue optimisée pour le téléphone portable et la vue optimisée pour un ordinateur classique. Pour cela, vous devez cliquer sur les trois petites barres en haut à gauche. Le menu apparaît et tout en bas, on vous propose de passer sur la version de bureau. Cliquez sur version de bureau. Vous obtenez maintenant un écran qui reprend exactement la même version de NetIP Areo que sur un ordinateur classique. Vous devez faire défiler l'écran sur la partie de droite où votre nom apparaît. Quand vous voyez votre nom, appuyez dessus et vous allez trouver paramètres utilisateur. Appuyez sur paramètres utilisateurs. Vous retrouvez les informations liées à votre compte, faites défiler la vue et vous allez obtenir e-calendar. On vous propose d'exporter le planning au format e-calendar. Appuyez sur format e-calendar et vous vous retrouvez avec une page qui vous explique comment synchroniser l'agenda NetIP Areo avec un calendrier au format e-calendar. Donc vous avez en fait une URL qui est donnée, qui est en bleu, juste ici. Vous allez devoir sélectionner tout le texte, d'accord, de cette URL. N'oubliez pas, hein, ça commence à HTTP et ça termine par le dernier slash tout en bas. Donc vous sélectionnez ce texte et vous le copiez. Bien, maintenant, on va sortir de l'application qui permet d'aller sur Internet pour se rendre sur les paramètres de votre téléphone. Donc on va dans Réglages. Faites défiler l'écran jusqu'à mot de passe et compte. Cliquez sur mot de passe et compte. Appuyez ensuite sur ajouter un compte, puis autre. Et maintenant, dans calendrier, sélectionnez ajouter un calendrier avec abonnement. On vous demande de saisir l'adresse du serveur, coller l'adresse que vous avez copiée juste avant sur NetIP Areo. Donc vous collez cette adresse, vous cliquez sur suivant, une vérification a lieu et maintenant vous devez cliquer sur enregistrer. Ne complétez pas les autres éléments, cliquez directement sur enregistrer. Quand vous consultez l'agenda de votre téléphone, vous obtiendrez maintenant vos cours directement sur l'application Agenda. Votre calendrier est synchronisé avec NetIP Areo. Toutes les mises à jour sont effectuées en temps réel avec votre application calendrier de téléphone. Pour synchroniser votre agenda NetIP Areo avec votre téléphone portable sous Android, vous devez utiliser la version bureau de NetIP Areo en vous connectant sur un ordinateur classique. Donc rendez-vous toujours pareil sur netipareo.formation-lac.com. Vous vous identifiez avec vos identifiants. Une fois connecté, cliquez sur votre nom en haut à droite, comme on l'a vu avec la procédure pour iOS. Cliquez sur paramètres utilisateurs. Vous allez trouver dans la liste des paramètres e-calendar, export du planning format e-calendar. Cliquez sur format e-calendar et copiez l'adresse de votre agenda personnel. Pour copier, je vous rappelle que vous devez sélectionner le texte en maintenant le bouton gauche de la souris et en appuyant sur CTRL-C avec votre clavier. Deuxième étape, vous devez vous rendre sur votre compte Google. Vous vous connectez, vous avez en haut à droite la possibilité de voir toutes les applications de votre compte Google. Donc vous cliquez sur Agenda. Vous avez votre agenda qui apparaît à l'écran. Il va falloir maintenant rajouter votre agenda NetIP Areo. Il faut cliquer sur Menu Paramètres, Paramètres. Et sur la partie de gauche,
ajouter un agenda à partir de l'URL. Ici, vous collez l'adresse que vous avez copiée juste avant, donc vous cliquez sur URL de l'agenda et vous tapez sur votre clavier CTRL-V. Ensuite, vous cliquez sur ajouter un agenda et l'agenda a été rajouté tout en bas. Dans paramètres des autres agendas, ici, vous retrouvez votre agenda Nati Pareo. Vous avez la possibilité de rajouter une notification, par exemple pour ne pas louper le début des cours, vous pouvez paramétrer une notification 60 minutes avant, 120 minutes avant, etc. etc. Ça vous permettra d'éviter d'être en retard à vos cours. Vous pouvez vraiment personnaliser votre calendrier. Bien, donc quand on revient sur l'aperçu de votre agenda, maintenant vous avez vos blocs de cours sur votre agenda personnel de votre compte Google. Comment faire pour retrouver ces informations sur votre téléphone portable sous Android? Vous devez lancer l'application Google Agenda et pareil, vous rendre dans la configuration du compte pour vérifier que l'agenda Nati Pareo est bien coché. Il se peut que vous ayez à cocher cet agenda pour activer la visualisation sur l'application. J'espère que cette vidéo vous a plu. Retrouvez d'autres informations concernant le centre de formation et toute l'actualité sur nos réseaux sociaux. N'oubliez pas de nous suivre. À bientôt.